Mon père est professeur de karaté. C'est comme ça que je commence le Kempo-Shinkai en le suivant sur les tatamis et aux compétitions. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement se battre, mais quand j'étais petit, j'avais un trop-plein d'énergie et le karaté, ça a permis de le dissiper. Je m'y suis fait des amis et des frères d'armes comme Théo. Et ensemble, on a commencé à tout gagner au Kempo. J'avais pas l'impression de faire des sacrifices. C'est en grandissant où je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de certaines choses car j'étais à l'entraînement ou en compétition, mais ça fait partie du jeu. Pour l'instant, on combat dans différentes disciplines comme karaté mix, pancras ou full contact. L'objectif, c'est de devenir le combattant de MMA le plus complet possible. Il y a des adversaires très forts sur ces compétitions, et pour progresser, on doit les affronter. La même année, je commence les études supérieures. C'est une évidence pour moi d'en faire, parce qu'une blessure, ça peut mettre un terme à une carrière de sportif. Mon plan, c'est de devenir kiné. Comme ça, à la fin de ma carrière de combattant, je pourrais continuer à collaborer avec des athlètes. Je pensais que ça serait facile, sauf que j'ai galéré. Je redouble la première année de médecine, et je stagne à l'entraînement. Mais j'ai pas le choix. D'abord, je dois rentrer en école de kiné, et ensuite m'entraîner pour revenir aux compétitions à mon meilleur niveau. Sauf que, quand tu es habitué à t'entraîner régulièrement, tu commences à avoir des doutes sur ta capacité à rattraper le retard ou gagner des combats. Je m'appelle Théo, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en STAPS, en Master 1, en Master MEF. C'est pour devenir professeur de PS. J'ai rencontré Axel au Kempo, à Aubourdin. C'est lui qui chargeait en fait des débutants qui arrivaient. Donc j'avais environ 5 ans. Et c'est là où est né ce début d'amitié. Axel est l'un de mes élèves. C'est vraiment quelqu'un de concentré et d'attentif. Et puis il apporte la joie au club avec ses petites blagues. C'est à la fois un peu mon coach, à la fois un peu mon sparring partner, à la fois mon meilleur ami, à la fois mon frère. Donc on a une certaine relation qui est dure à expliquer. On se rapproche le plus d'un frère, un frère d'armes où vraiment on s'entraîne ensemble. Depuis toujours, on ne s'est jamais lâché. Dès son entrée en PASSES, Axel a dû faire un choix. J'ai eu un peu de mal au départ, hein, c'est normal, hein, je le voyais de moins en moins. Il était là juste pour entraîner les ados. Ça lui faisait aussi du mal parce qu'on a toujours tout partagé. Et forcément, il était plus là, je le voyais plus beaucoup. On avait moins cette relation de fraternité, entre guillemets.
Avec le soutien de mes proches, je réussis mes examens pour entrer en école de kiné. Maintenant, l'objectif, c'est de récupérer un maximum d'expérience sur le circuit amateur, finir mes études de kiné et passer pro en MMA. Le rêve, c'est de remplir un Paris-Bercy. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit avec toi. On a dit, le rêve, un jour, c'est de... Bon, sans prétention, bien sûr. Mais d'avoir un octogone à Paris-Bercy et de combattre face à un public, tu vois. Ça, c'est vraiment... à Paris, en France, devant un public français, enfin, tu vois, c'est genre, c'est l'extase.